Voilà de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires, toujours appréciés. Mathieu, on en a quand même pas mal. On va commencer immédiatement. Je me cherche une voiture spéciale. Oh. Mon choix se dirige vers la BMW i8. Donc on voit déjà qu'on a un bon budget, hein? <laughs> Parle-moi de ça. Ben oui, BMW 8 électrique, essence, oui. euh, il y a à peu près tout là-dedans et le style futuriste. Vous ne oui. pas avoir de voiture plus spéciale que si ça. ça. Tu veux penser dans le film Blade Runner? Je pense que c'est le bon véhicule pour ça, mais on s'entend, c'est ce qui a fait un peu aussi son originalité. Hein. Quand on se démarque, le côté luxe aussi avec BMW, voiture qui est super le fun aussi à conduire, voiture qui est efficace. On s'entend, moi j'aime bien celle-ci, mais malheureusement, je n'ai pas le portefeuille, <laughs> ça me prendra le tien d'âme. <laughs> En tout cas, ça prend un bon portefeuille et je pense qu'elle va prendre de la valeur parce qu'il oui. ne s'en vend pas énormément. Et peut-être que la version, euh, ils ont une version euh, Spider décapotable qui pourrait être intéressante également. Qualité de construction, là, irréprochable, euh, là irréprochable, là. Irréprochable avec mm. tous les matériaux utilisés. Je pense que c'est un choix qui peut se démarquer. Et le rapport qualité-prix, on parle d'un prix déraisonnable, là, 165 dans ces eaux-là, je pense. Ouais, à moins de... qu'il ait ça augmenté dans les dernières années. Mais il me semble que c'était autour de ces prix-là. C'est quand même pas si pire pour la, la voiture. Moi, je dis toujours que c'était si la chance de mettre la main sur un de ces véhicules-là qui a environ peut-être une année ou deux. Il y a encore un petit amortissement que tu es capable d'aller chercher dans tes poches. Ouais. Petite affaire à vérifier, c'est lorsqu'on entre à bord du véhicule, je pense que le seuil de porte est large comme ça. Ouais. Donc ça, c'est à faire attention. L'enjambée particulière. <laughs> mais c'est la conception qui fait en sorte le fibre de carbone, etc. Donc euh, beaucoup de matériaux. Monsieur Thébert, j'ai dit, je regarde pour un Subaru Outback qui serait mon choix. Ce qui est important pour moi, traction intégrale en hiver et ne pas me sentir dans un camion. Ben vous avez la voiture parfaite. Oui, mais il faut pas oublier, on parle souvent l'hiver là, quand même que tu as un véhicule à traction intégrale. Qu'est-ce que ça prend Ça prend des bons pneus. Il y en a beaucoup qui sont de la religion Subaru de clouter aussi les pneus d'hiver, mais bon, parfois, c'est pas possible euh, partout. Mais c'est sûr que côté traction intégrale, côté efficacité, que tu roules à 20 km/h ou que tu roules à 115, le système symétrique de Subaru est toujours là. Ce pas le genre de traction intégrale qui déconnecte. La garde au sol du hardback est bonne. L'espace à l'intérieur est bon. Euh, je crois surtout avec le, le redesign très récent qu'on a fait qu'on l'amène à un autre niveau. J'ai hâte de voir comment la motorisation turbo va évoluer, cependant au travers du temps côté fiabilité. Mais en même temps, je trouve le 2.5 trop plate un peu. Fait que je suis porté d'aller vers des versions qui sont outdoor ou encore XT », dépendant où est-ce qu'on reste. Voilà, euh, j'ai euh, Germain qui dit euh, je regarde pour un Porsche Cayenne 2006 V8 4.5 197 000 km. Euh, donc euh, légère fuite d'huile au moteur pas oh. grand chose au niveau du euh, pas grand chose d'autre à faire donc sur le véhicule 6 dollars mais... donc euh, ouf. Yeah, regarde ça, c'est l'argent de l'entretien que ça va coûter. Dès qu'il commence à avoir une fuite d'huile dans ces moteurs-là, c'est des moteurs moteur qui coûte cher à ouvrir. C'est de l'entretien de luxe. Je ne dis pas que le véhicule n'est pas fiable dans son ensemble. Au contraire, habituellement, un Porsche, et de l'huile, des freins, puis on ne se casse pas la tête. Ben, de l'essence dépendant de la motorisation performante. Mais quand on tombe dans un âge vénérable de ces véhicules-là, je suis parfois très prudent. Parce que les prix sont alléchants. Les jeunes aiment ça, hein, des véhicules de luxe, bourbon, pas bon, bon, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que l'entretien lui reste au prix que c'était euh, à l'origine. Mais bon. Bye. Si on achète un véhicule comme ça, on ne fait rien dessus. Zéro. Non. On, on l'use jusqu'au temps qu'il roule. Euh, autre question de Margot dit euh, « Je veux un véhicule électrique pour la ville. Je fais pas plus de 5000 km par année. Des petites sorties, épiceries, magasins. Euh, bref, euh, je vais pas très loin. Euh, quoi choisir? Ouf! Il y en a d'excellents. Quand on parle juste de ville, on parle de la Nissan Livre, on peut penser aussi à la Bolt qui offre l'autonomie pas mal, la meilleure de ce temps-ci, mais il faut faire encore une fois attention au confort à l'intérieur. Mais quand on reste urbain, c'est petit, c'est maniable, ça fait la job en masse. Mais je dois décerner euh, mon, mon, mon premier choix aux Coréens présentement, donc avec leur version électrifiée qui réussissent à avoir une belle balance en performance, en confort. En capacité de cargo, voire même encore une fois en maniabilité aussi, mais c'est aucunement des mauvais choix. On fait attention au Kona qui a eu un petit rappel dernièrement, un rappel qui mm -hmm. va vous rappeler certaines nouvelles qu'on a eues, un certain risque mm -hmm. d'incendie. Donc, on le publiera sur la page de virage. Mais bon, ça fait partie de la game. Des rappels, il y en a pour tous les véhicules aujourd'hui. Dans les choix, tu as Niro, Soul. Oui, c'est euh, tous des bons choix. Kona, donc. Euh... Il y a quand même plusieurs petits véhicules comme ça. La Leaf également, même la version de base de la Livre, pas oui. besoin de payer pour euh, la version plus. La version de base pourrait aussi être un très bon choix. Bien, on en profite là aussi avec les fameux euh, rabais entre guillemets gouvernementaux. Parce que je ne sais pas là avec ce qui se passe avec la pandémie. Maintenant, on va-tu dire c'est assez, on met l'argent ailleurs. Tu sais, ça peut changer aussi. On avec le temps. Il y a Caroline qui dit je fais le saut dans le monde des véhicules électriques. C'est décidé. Félicitations. Euh, je trouve pas ça évident par contre de faire le choix. Je me dirige vers le Kona, mais euh, on me dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, moi, j'ai parlé euh, très dernièrement avec euh, M. Lessard, M. De, de, euh, Lessard Hyundai, puis il me disait oui, maintenant on a de l'inventaire. Donc, euh, je pense que dans les concessionnaires Hyundai présentement, on a réglé le problème et on peut avoir euh, des véhicules de ce type-là aussi. Je pense le plus populaire présentement, Mathieu vient de le dire il y a un rappel dessus mais ça avant de le livrer, les gens font un oui, euh, oui. rappel puis on je dis ça pour on garder mon correct. côté nouvelle fraîche à Virage. <rire> Merci <rire> de le faire. Alors absolument, donc euh, le Kona allait magasiner chez Concessionnaire Hyundai, l'inventaire euh, ils en ont maintenant donc je pense que c'est réglé pour un bon bout de temps. Monsieur monsieur Lavoie dit est-ce que GM va changer sa Bolt bientôt? Ouf, ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas retouché un peu ce véhicule-là pour voir un changement majeur. Hein? Euh, je crois qu'on va se diriger beaucoup plus vers un nouveau petit véhicule sport-utilitaire qui rentre vraiment dans le goût de tout le monde. Donc, la popularité est littéralement en montant de ces segments-là. Et euh, je dois avouer qu'on va peut-être décider à un moment donné de la laisser de côté. J'ai hâte de voir, je serais très surpris qu'on arrive avec un gros redesign majeur, nouvelle plateforme, et ainsi de suite. Cependant... L'avenir électrique de GM, on met beaucoup d'emphase aussi avec toute la partie Homer. On n'aura pas le choix d'embarquer avec la gamme électrifiée des camions. Fait que, d'après moi, un petit VUS, pas mal plus plausible qu'un gros micro ben oui, C'est ça. Tout pour faire augmenter le prix. Ça, ben, euh, on commence à comprendre le principe. Là. Ouais. On, a, on a laissé aller la Volte, on laisse aller des véhicules euh, pour laisser aller le petit budget parce que si on prend. La Bolt, au prix qu'elle est là présentement, il oui. faut dire que GM on, ont on été les premiers à offrir un véhicule à oui, un prix raisonnable. Oui. Si on abandonne la Bolt, on arrive avec un sport utilitaire, avec, mettons, la même plateforme, Bien, on va vendre 10-15 000 de plus. Ben oui. C'est certain. C'est comme ça, mais à quelque part, on le sait qu'on n'a a jamais fait euh, beaucoup d'argent non plus du côté de GM avec ces petits véhicules-là. On l'a toujours dit, là, ça a l'air que ça coûtait cher à développer, euh, le prix était bas, on a coupé à quelque part, mais où est-ce qu'on ramassait de l'argent? C'était dans le prix qu'on faisait avec les, la vente des camions. Ce n'est pas pour rien qu'on va probablement essayer de mousser ça aussi en premier. Je peux pas croire qu'on va... En tout cas, j'espère que GM vont poursuivre encore quelques années la Bolt. Pourquoi pas? rafraîchir un peu, surtout l'intérieur. Parce que pour moi, l'extérieur euh, demeure très moderne. C'est une belle petite voiture, oui, mais oui. l'intérieur a besoin d'être retravaillé. Puis, Le continuer général. de l'offrir oui. à un bon prix, je pense qu'on euh, on perdrait à l'éliminer complètement. Mais ça va être leur décision. Et présentement, dans l'industrie automobile, ça tire un peu partout, à gauche ou à droite. Oui. Gilles, il regarde une BMW série 5 diesel 2015, 236 000 kilomètres. 12 000 Ça a roulé. Ça a roulé. Euh... Diesel. T'as vu... peine rodé. Euh... <laughs> oui, mais as-tu vu la différence de prix d'origine versus aussi là, avec <laughs> quelques années derrière la cravate? Il euh, y a une certaine économie à faire. On s'entend, hein, un série 5, c'était quand même très intéressant. Ces motorisations-là, diesel, c'est littéralement pas tuable. On est capable de faire du haut kilométrage. Cependant, on garde l'œil dessus. Comme tout véhicule de luxe, on ne veut pas de surprise au travers du temps. Ben, on va avoir des surprises. Une série 5 avec euh, une série 5 qui n'a à peu près pas de kilométrage. On peut des fois s'attendre à avoir des petites lumières oui. qui allument à gauche, à droite. À 236 000 km, il faut s'attendre à ça. Mais ce qui est important, c'est d'aller faire inspecter votre véhicule. Et l'historique d'entretien aussi du propriétaire. si là, ça c'est un plus. S'il l'a pas, Allez faire éteindre des lumières, moi ça ne me dérange pas. S'il si y a une lumière qui allume ici là, ça me dérange pas. Tu les éteins encore avec les petits collants? Le non, je ne mets, de... <laughs> mets pas de petits collants, mais c'est pas. Grave, c'est de savoir si les éléments de suspension sont bons, si euh, au niveau de la motorisation, tout est correct. Le système d'antipollution, parce que euh, ça coûte cher, une, tout le système d'échappement euh, Et -il de... Et d'une réaction aussi, là. Donc, il faut faire vérifier ça. Une fois que ça, ça sera vérifié. Après ça, ça peut être, comme tu le dis, Noben, parce que des véhicules de 80 000 ça, dans le neuf. Mais oui, c'est cinq 000. en plus, là, tu as de l'espace, puis c'est confortable, c'est le fun derrière la volant. Oui, c'est une belle voiture de luxe. Donc, il peut y avoir un bon potentiel, euh, puis vous pouvez avoir une voiture peut-être pour encore quelques années si elle a été bien entretenue. Euh, on a euh, Jérémy qui dit, pensez-vous que... Oh, c'est une question pour toi, c'est Pensez-vous que le Bronco sera aussi bon que le Jeep, euh, surtout aussi durable <laughs> que le Jeep, euh, la valeur euh, du, euh, de revendre... Des Jeeps, elle est très haute, Oui. excellente. Est-ce que le Bronco, ça va être la même chose? Oh boy! Si tu veux un produit américain qui est en train de dépasser la valeur de revente <laughs> des Japonais présentement, des Tacomas, des Forerunners de ce monde-là, jeep, là, c'est littéralement nez à nez. Là. Tu, tu vois des véhicules de 5 ans qui valent encore littéralement des prix de fou, toujours dans le Jeep Wrangler. Quant à la guerre, <laughs> mon vidéo <laughs> sur YouTube était Enfin, le Bronco va détrôner le Jeep. C'était pour créer un peu de, 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 de blabla, faire réagir les gens. Écoute, l'armée des Jeeps est arrivée. On ne le sait pas présentement tant qu'on ne l'aura pas testé à long terme. Cependant, je connais Ford, ils ont travaillé énormément fort à faire un combattant direct à Jeep pour l'étudier le Jeep. On ne sait pas en chanteau, on l'a essayé, on l'a amené dans les trails avec le Bronco. Donc, d'après moi, on voulait arriver prêt et on veut justement être prêt à rivaliser avec le King du hors-route. C'est un match qu'on va devoir voir comment il va se dérouler au travers du temps, mais il est en très bonne position. Sur papier, Ford a fait un travail excellent. Oui, incroyable. Euh, déjà, là, on voit qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont créé tout simplement oui. un véhicule et on n'a pas transformé un véhicule qu'on avait déjà euh, dans notre gamme. Ça, c'est déjà très bon. On a sorti une version 2, une version 4 portes. Donc, on veut vraiment y aller nez à nez avec euh, Jeep et son Wrangler. Puis, on a même sorti un petit Bronco Sport. Je ne le mets pas dans cette équation-là, Non, mais c'est cute qu'il l'ait sorti. Parce oui. que si tu veux... Euh, pareil d'avoir un bronco, puis tu vas aller chercher quand même le style, mais tu fais surtout de la ville. Euh, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le vrai bronco et le gros, pas le petit. Oui. <laughs> mais Je pense qu'il va se vendre plus de petits que de gros. On verra ça. <laughs> On va voir. <laughs> Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Alors, euh, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les centres d'inspection technique CAA Québec.